Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir à Ottawa le premier ministre de la France, Manuel Valls. Il sera des nôtres pour quelques jours et il se rendra notamment à Montréal plus tard aujourd'hui avec moi. Depuis son arrivée, le premier ministre Valls et moi avons déjà eu l'occasion de nous mettre au travail. Nous avons eu des discussions de fond sur les objectifs communs de nos deux pays. Des objectifs comme celui de favoriser une croissance économique qui aide la classe moyenne à réussir et à s'enrichir, ou encore comment approfondir les liens culturels déjà importants qui existent entre nos deux pays. Bien sûr, nous avons également discuté des façons de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable à travers le monde. Aujourd'hui, avec le programme de coopération renouvelé, le Premier ministre et moi avons réitéré notre engagement dans plusieurs domaines. On the economic front, Prime Minister Valls and I agree that growing and strengthening the middle class is of paramount importance for both Canadian and French societies. And crucial to this is the comprehensive economic and trade agreement. By getting this deal done, we'll open up unprecedented markets for Canadian goods and services. Mutually beneficial to both of our peoples, CETA is good for workers, business owners, and families. The Prime Minister and I also discussed the importance of research and innovation in growing local and national economies. We will continue to champion innovation by supporting our post-secondary systems, young workers, and small business owners. And innovation is intrinsically linked to our shared fight for a cleaner planet. Le Canada et la France sont conscients des conséquences profondes engendrées par les changements climatiques. Nous sommes d'avis que nos pays doivent faire leur part pour laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde plus vert et meilleur. La France a d'ailleurs joué un rôle de premier plan pour aider la communauté mondiale à parvenir à un consensus au sujet de la lutte contre le changement climatique. Ce leadership exemplaire s'est notamment illustré lorsque la France a accueilli la conférence de Paris sur le climat en décembre dernier. Le Canada est fier de se joindre à la France dans le cadre des efforts mondiaux visant à contrer les changements climatiques, qu'il s'agisse de ratifier l'accord de Paris ou encore de mettre en place un système de tarification de la pollution par le carbone. The Prime Minister and I also spoke about strengthening our presence at the United Nations, at NATO, and within the G7. We understand the importance of international diplomacy and cooperation. In fact, Canada has provided airlift to French troops that are helping to build peace in Mali. Looking to the future, we're eager to collaborate further within international bodies to serve the best interests of both Canadian and French citizens. And on the subject of international partnership, Canada and France will continue to work together and indeed increase our collaboration on pressing global health issues like Ebola and Zika. The Canada-France relationship is unlike any other. We are true partners and friends in many, many respects. And much of that strong partnership boils down to what we share, a common language, a common history, and a common set of values. Values like democracy, diversity, and government transparency. Cette amitié est également renforcée par la relation directe, unique et privilégiée que le Québec et la France cultivent depuis de nombreuses années. Grâce à leurs efforts conjoints, les ponts continuent de se multiplier entre les Français et les Québécois, notamment sur le plan de l'éducation, de la culture et de l'économie. Tous les Canadiens en bénéficient. Je suis d'ailleurs impatient de me joindre à M. Valls et à M. Couillard à l'invitation de ce dernier pour discuter de l'ASCG et du commerce international plus tard cet après-midi à Montréal. Et finalement, une année chargée nous attend. 2017 marquera le 100e anniversaire de la bataille de Vimy. 2017 sera aussi le 150e anniversaire de la Confédération et le 375e anniversaire de la ville de Montréal. Ce sera l'occasion pour nos deux pays de célébrer ces moments importants ensemble. Il n'y a aucun doute que le Canada et la France partagent un passé remarquable, fort d'une riche histoire. Mais, cela dit,
je suis d'autant plus confiant que nous bâtirons un avenir encore plus remarquable grâce à cette amitié.